Bonjour à tous. Donc, on va continuer sur Construction Simulator et on va continuer notre construction d'hôtel. Donc, on va repartir exactement où on s'est arrêté.
On en bouffe du béton, hein. Ah la vache. Salut, Jérémy. Là, par contre, tu vois, j'ai du mal avec la pompe là pour la manipuler, c'est pas facile. Ouais, pas loin, ouais. Parce que là, tu vois, je suis qu'à 33% de la construction de l'hôtel. Et j'ai commencé hier. Ouais, et encore, je fais des vidéos assez longues, mais bon, c'est pas gagné. Hein. Là, j'ai réussi à amener tout. Le problème, c'est que j'avais pas assez de place pour tout mettre sur l'emplacement. Donc, du coup, j'étais obligé d'en laisser dans la remorque. Donc, on verra. Plus tard, quand ils me demanderont de faire autrement. Ah, il me manque 1%. C'est pas possible. Là. Ça, c'est bon. Est-ce que je vais arriver à la replier? Ouais. Je comprends pas le fonctionnement de la pompe là, pour la plier. Ouais, je comprends pas et hop, et ça plus vite comme ça. Donc du coup, qu'est-ce qu'il me demande de faire? À dégager la zone indiquée. Ah putain, j'ai les béquilles qui, j'ai une béquille qui est dedans. Ok. Ok. Livrer les murs préfabriqués. Alors ok. Alors les murs préfabriqués. Faut que j'aille ici. Ouais, c'est il y a des missions, ouais. J'ai peut-être trouvé là quelqu'un qui va prendre le jeu là sur la série X. Il m'a dit, il regarde les vidéos, il fait, ah oh, putain, il est pas mal ton jeu. Donc il m'a demandé ce que j'en pensais. Ça fait longtemps que je le connais, le gars. Hein. Il n'est pas du tout jeu de simulation, par contre, il m'a dit, celui-là, il me tente bien. Je lui ai dit, écoute, il me dit, il y a multi, je dis, ouais, mais je lui ai dit, écoute, si tu le prends, on fera un multi. Donc. Si tout va bien, un samedi, on fera un multi ensemble. Qu'est-ce qu'il faut que je trouve? Ça avait tout ça. Panneaux de bois et murs. Ah, ouais, c'est des poutres alors qu'il faut. Me faut les poutres. Et les poutres, elles sont là. Et j'en ai dans le camion aussi. Au pire. Mais attends, je les livre où les poutres?
Parce que je les pose pas comme ça, les poutres, quand même. Panneau de bois pour mur. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas cela, alors est-ce... Attends, faut que je voyais un truc là, parce que là je comprends pas trop. Pourtant je vais tout acheter. C'est quoi ça? Ça c'est des poutres. Toujours sur PC. Non, il sera sur Series X lui par contre. Lui aussi, il sera sur Series X. Apparemment, il va voir s'il peut le trouver aujourd'hui, le jeu. S'il peut le trouver aujourd'hui, on fait le truc demain. Enfin, samedi. Sinon, on le fera dès qu'il a le jeu, on verra pour le faire. Donc, ils sont là, mes panneaux de bois, c'est ceux-là. Ah non, même pas, c'est des poutres, ça encore. Ah non, c'est peut-être ça. Attends, 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 attends. Mais par contre, je sais pas où faut que je les livre. Je les pose où? Ah, est-ce qu'il faut que je les déballe avant? Non. Bon, on va essayer de les attraper, on va voir. Ou alors, il faudra que j'aille à la scierie, les chercher. Ça se trouve, c'est ça. Non, c'est pas ça. Alors là, il y a un truc. Donc faut que j'aille voir un truc où c'est que je trouve ces panneaux de bois. Alors il y a une série, j'ai vu qu'il y avait une série sur la carte ici. Ça se trouve faut que j'aille les chercher là. Ah, c'est la merde parce que s'il faut que j'aille les chercher là, j'ai mon camion qui est plein moi. Faudra que je prenne l'autre camion alors du coup. Par contre, on les commande où les panneaux de bois là? Bah, ouais, mais je veux bien. J'achète mes panneaux de bois où moi? Tous les coups ça va être ici hein, mais par contre ah d'accord ok voilà zéro alors c'est pas là ça va être trop. Ouais, sur, ouais, je joue sur Xbox Series X.
Construction de murs préfabriqués. Ah, c'est peut-être là. Ah, si c'est là, c'est la mer parce que faut que je vide ma SMI. Ah merde. Ah, ils sont là. Pourquoi 6 paquets? E, I. Je comprends pas trop là. Attends, 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 parce que là. Ah oui, mais je suis pas passé à la caisse. Ah, faut que je passe à la caisse avant. Ah oui, mais faut que j'amène le camion avant. Oh là là, faut que je vide le camion alors. Je vais faire autrement. J'ai pas vidé ma remorque. Je vais pas vider la remorque. Je vais prendre l'autre remorque et je vais y aller avec. J'ai dit que ouais, c'est là qu'il faut que j'aille. Hein. Le truc, c'est qu'il faut que j'arrive à... Le bonhomme, il est asthmatique, hein, quand même. Alors, ah, il faudra que je revienne. Il m'en manque un. Il m'en manque un. Ah, est-ce que je suis loin du chantier? Ah ouais, je suis loin. Alors, on va se téléporter.
Par contre, comment je vais faire pour les déposer? Ça commence à être un petit peu embouteillé là quand même, hein. C'est pire que les heures de pointe à Paris, hein. Déverrouiller. Ok, on va déverrouiller celui-là aussi. Allez, on monte dans la grue maintenant. J'espère qu'elle va être assez longue. La mission là, c'est après le garage. Non, j'ai fait. C'est une campagne, c'est dans la campagne. C'est ce que. Je sais pas si t'as débloqué déjà la campagne. Parce que pour débloquer la campagne, faut que tu agrandisses ton exploitation. Faut que tu ailles. Que tu regardes dans la campagne si t'as trois objectifs à faire. Je crois qu'il faut que tu achètes trois engins. Que tu achètes l'exploitation AAP et après que tu t'agrandisses et après tu débloques la campagne. Et une fois que tu débloques la campagne, après tu as 5 personnes. Si tu veux, dans le chantier, tu vois, tu as. Alors, ah oui, mais je sais pas où aller voir. Offre, si. Toi, tu as les contrats, toi, tu fais les contrats parce que pour l'instant, tu peux faire que les contrats. Quand tu fais campagne, tu vois, tu as 4 bonhommes. Et si tu veux, t'en as certains qui vont te demander de faire une route, d'autres, ils vont te demander, toi, un hôtel. Toi, il a commencé à me demander par le premier. Pour débloquer l'hôtel, il faut que tu fasses d'abord la route. Et après, tu feras l'hôtel. Et ainsi de suite, si tu veux. Si tu veux, tu peux pas faire, par exemple, la deuxième avant d'avoir fait la première. Tu vois, là, il faut que je fasse d'abord le parc avant de faire l'autre. Mais pour faire le parc, il te faut du matériel. C'est toujours pareil, il te faut beaucoup de matériel. Mais déjà, faut que tu arrives déjà à débloquer, comme je te disais, faut que tu fasses des contrats pour pouvoir acheter l'exploitation de HAP. Une fois que tu as acheté l'exploitation de HAP, il faut que tu achètes trois matériels, trois matériaux. Trois engins, il faut que tu achètes, je crois c'est mais je peux plus le voir moi, merde. Fin, si je fais ça. Niveau d'amélioration, tu vois. Ah oui, mais là, tu vois, moi, il me demande plus, tu vois, pour passer de niveau, il faut que je fasse plus. Mais S, si je fais S, non, je peux pas le voir. Je peux pas te le montrer. Mais si tu veux, quand t'es là, si tu veux, tu le vois. Briefing, travaux de terrassement, ingénieur, chemin forestier. Si tu veux, voilà, faut que tu fasses déjà tout ça. Faut que tu fasses les étapes. Donc indirectement, faut que tu fasses pour l'instant, que tu achètes l'exploitation de HAP. Tu regardes, tu vas dans campagne. Quand tu vas dans campagne, tu le vois. Tu fais chantier, tu fais offre campagne. Et campagne, tu vas voir la première, ça va te dire ce qu'il faut que tu fasses. Pour débloquer la campagne. Une fois que tu as fait les trois objectifs, ça te débloque la campagne. Et après, tu peux faire tous ces trucs-là. Là, par exemple, tu as le projet d'accès de route. Après, tu fais l'hôtel. Et une fois que j'aurai fini l'hôtel, je pourrais faire le parc public et ainsi de suite. Tu vois, je peux avancer petit à petit. C'est comme là, c'est pareil, je pourrais avancer petit à petit. Tu vois, mur anti-bruit. Maintenant que j'ai fait les murs anti-bruit, je peux faire les extensions de ferroviaire et ainsi de suite. Ouais, c'est assez loin quand même. Je sais pas si t'as compris ce que je t'ai expliqué. C'est un peu confus. Si t'as besoin d'aide, tu peux. Ouais. T'es obligé de passer comme ça. Et en même temps, quand tu vas débloquer la campagne, ça va te débloquer le multijoueur en même temps. Tu vois, elle est beaucoup plus pratique quand même comme grue, hein. Tu vois, je galère moins avec celle-là qu'avec l'autre, hein.
Franchement, moi, je préfère celle-là que l'autre. Hein. Bon, j'ai voulu essayer, mais franchement, je préfère celle-là. Celle-là, je vais la mettre ici. Ouais, mais tu vois, regarde. Hier, moi, je galérais avec l'autre sur pivot là qu'on mettait dans le coin. Franchement, j'y arrivais pas. Et je préférais la revendre, enfin la rendre, et prendre celle-là. Et toi, avec celle-là, franchement, c'est beaucoup mieux. Ça n'a pas allé où? Ici. Non, là. C'est une plaine encore ça. Alors je sais pas si je mets une plaine. Ah non mais ouais, ça me dit qu'il faut que je la mette là. Là. Oh, doucement. Alors, il m'en faut encore. Je vois pas mon repère là, ah, s'il est là. Alors, hop, on va le poser ici.
côté. Par contre, ce qui est dommage, qu'on puisse pas faire pivoter les pièces quand on les a au bout là. Les faire tourner. C'est dommage. Parce que c'est arrêté un peu plus technique à mettre. Ça aurait été plus sympa, je trouve. Mais peut-être après un peu trop compliqué pour certaines personnes après. Mais bon, après, c'est peut-être. Ils auraient pu faire un système de difficulté plus ou moins dur. Quand tu veux plus dur, bah, c'était à toi de tourner la pièce pour la mettre en place. Ah ouais. Ah ouais, ça par contre ça m'intéresse moi, un truc comme ça, ouais. Ah, c'est peut-être dans les difficultés, alors on va voir régler la difficulté, peut-être. Là. Par contre, si t'as besoin là pour l'histoire là de pour la campagne, va voir sur ma chaîne YouTube. De toute façon, je l'ai fait en vidéo ça, donc tu dois pouvoir le trouver. Si dans les, faudrait que je regarde sur la. Sur la chaîne, je te dirai quelle vidéo c'est. Je crois que j'ai marqué j'achète l'entreprise de App ou un truc comme ça, une connerie comme ça. Ah. Ah merde, faut que je remette encore une cage d'ascenseur. Il est ici. Mais peut-être heureusement que j'ai pris la grosse grue là, à plusieurs pneus parce que peut-être que j'aurais pas réussi à soulever certaines choses. Hein. Ah, par contre, ce qui manque aussi dans le jeu, j'espère qu'il va nous le rajouter. Par exemple, la grue, là, quand tu la mets en place, là, comment je l'ai mise en place, bah, tout à l'heure, je suis tombé en panne de gasoil. Donc, il a fallu que j'aille chercher du gasoil, il a fallu que je la sorte de là et la replacer. Ça, c'est un peu bête. Il faudrait qu'on ait une, je sais pas, une citerne de gasoil quelque part pour alimenter nos trucs. Ce serait pas mal qu'on ait un, je sais pas, un camion-citerne ou un truc comme ça.
Allez. On va faire autrement. Aïe! Pff, oh là! Grosse brute! Pose-moi ça là. Ah ben je peux pas le reprendre celui-là. Ah merde. Ah, mais c'est pas les bons trucs! Bah oui, c'est pour ça que j'arrive pas à le poser! Bah oui! Ouais, il manque les Manitou aussi, ouais! Tout à fait! Ouais, mais bon, je pense parce que quand tu regardes dans les trucs quand tu regardes dedans, tu vois bien qu'il y a encore des trucs qui peuvent venir, hein. Ouais, alors du coup, ça va être dans la SMI. C'est pour ça que j'arrivais pas à les poser, c'était pas les bons trucs. Ah merde. Ah, je vais pas pouvoir aller chercher. Ah merde. Toi t'es là, bon, faut que j'aille chercher la. De toute façon, elle, je peux la sortir, de toute façon. Ah ben non! C'est ce que je t'ai demandé. Oh putain, j'ai plus de gasoil dans le camion. Ouais.
Ouais, pour transporter la terre, tout ça, ouais. Une remorque semi, ouais, je le disais hier aussi, à un moment, je disais. Une remorque semi, ça serait bien pour porter plus de terre, plus de trucs comme ça, parce que les gravillons, là, avec le petit camion, on fait je sais pas combien de voyages, c'est. Il y a des choses qu'il faut qu'ils rajoutent, hein. C'est vrai qu'on en a pas mal, bon, c'est vrai. Là, j'ai acheté le D8, mais il y a le D9, il y a le D10 qui est un peu plus gros. Il y a des trucs qui manquent encore, hein. Serait-ce que les compresseurs sont roues là qu'on voit souvent, on l'a pas non plus. Il y a des trucs qui manquent quand même. Bon, faut que j'aille chercher du gasoil du coup. Alors ouais, ça c'est un peu bête qu'on n'ait pas une citerne sur le chantier, qu'on puisse pas poser une citerne sur le chantier pour justement. Pour ravitailler le matériel. Parce que alors le bulldozer, ça veut dire que si tu veux jouer RP, le bulldozer, faut que tu le cherches sur ta remorque. Pour venir avec ta remorque ici, pour le ravitailler, pour le ramener après aussi. Après. C'est pas logique. Normalement, le bulldozer, tout ce qui est chenille, comme la pelleteuse, tu la ravitailles sur place. Tu la ravitailles pas à la station. Après, c'est mon point de vue. Après, je sais pas ce que t'en penses, mais merde, j'ai pas vu la pelleteuse. Ça commence à être un peu le bordel là. Ah, des DLC, ah ouais, ça. Ah, par contre, ouais, là, ça peut devenir intéressant. Ça dépend ce qu'ils vont nous mettre comme DLC, mais voilà, c'est. Des missions, par exemple, rajouter des missions, des véhicules, ça pourrait être sympa, hein. Parce que franchement, le jeu vaut le coup, hein. Il en vaut le coup quand même, hein. Mais tu vas voir, une fois que tu auras bien pris le truc en main pour les commandes et tout, tu vas te régaler après. C'est vrai que moi, quand je l'ai lancé vendredi, j'étais très déçu. Je suis, ouais, putain, c'est la merde. Ça marche pas comme je veux. Ça me plaisait pas, si tu veux. Et ben écoute, j'étais un peu fatigué quand j'ai commencé aussi. C'est moi le fait aussi, ça y fait. Je l'ai repris peut-être 2 heures après. Je me suis dit, putain, mais en fin de compte, ça va comme ça va super bien comme ça. Et en fin de compte, je me suis régalé après. Et tu vois, du coup, je le lâche plus le jeu. Mais voilà, tout à l'heure, je vais avoir train LAF qui arrive. Non, moi, il est en cours de livraison à l'heure qu'il est. Train LAF ou Construction Simulator? Alors là, il me faut les...
Composant à plafond. Construction Simulator, ouais. Ben ouais, parce qu'il sortait normalement le 20. Donc hier, aujourd'hui on est jeudi, mercredi 21. Ouais, c'est ça, mardi. C'est vrai que je l'ai eu un peu tôt, moi, mais bon, après, je vais pas m'en plaindre, hein. Moi, je l'avais précommandé il y a 6-7 mois déjà. Et donc, du coup, bah, quoi. Quand ils m'ont envoyé le mail comme quoi j'avais le code retrait, bah, j'étais le chercher. Je l'ai eu vendredi matin, le code, et j'étais le chercher à midi. C'est le code midi. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Là, j'ai vu aussi que Astrago ils vont nous sortir pour. Mais il est déjà sorti sur PC, hein, par contre. Sur console, ils vont nous sortir le truc de police, la Patrol Simulator ou un truc comme ça. Il est prévu pour l'année prochaine, donc j'ai un peu de temps. Bah, de toute façon, là, j'ai pas mal de jeux en attente. De livraison, enfin de livraison de sortie aussi, donc pour l'instant je suis pas trop pas trop pressé. Oh, j'en ai pas mal de commandés déjà. Je vais en avoir encore deux ou trois qui doivent arriver. Sans compter celui qui arrive tout à l'heure là. Et t'as vu que t'avais des points de compétence aussi dans le jeu là à mettre, hein. Pour améliorer les choses, là, moi j'ai amélioré en points de compétence, j'ai amélioré pour remplir mon camion, le camion en benne, qu'il soit un peu plus rempli qu'au début. Et j'ai amélioré la vitesse de la grue. Ouais. Ouais, parce que là, je sais pas si toi, mais moi j'ai eu deux DLC avec le jeu là, sur l'édition Day One. Je sais pas les casser les DLC. J'ai pas regardé comme il faut. Faudrait que je regarde ce que c'est comme véhicule, mais. Alors, comme, je sais pas, t'as dû remarquer quand même que, comme je te disais, hein, je galère beaucoup moins avec cette grue-là qu'avec l'autre. Ah, faut que je mette les plafonds. Ouais. Je suis à côté là. Non, attends. Là. Ouais, je pense que je vais couler du béton après. Ouais, c'est pour ça que j'ai laissé ma pompe. Parce que comme c'est un hôtel, je pense qu'il va être sur deux étages. Et de toute façon, on a mis une cage d'ascenseur. Donc ça veut dire qu'il y a un autre étage au-dessus.
que là, regarde, j'ai mis une cage d'ascenseur là. Ils m'ont demandé d'en mettre une. Là. Donc automatiquement, je pense qu'il y aura un étage en plus. Donc on va être obligé de couler du béton parce que je vois qu'il me reste encore des trucs pour faire les murs. Pour les couler. Pour ça, j'ai laissé la pompe là. Pour l'instant, j'ai dit je la laisse là parce que je vais en avoir encore besoin. Je m'en doutais que j'en allais avoir besoin. Je pense qu'avec mon pote, on va bien rigoler quand on va se faire les missions à deux. Je pense qu'on va bien rigoler par moment. Soit on va rigoler ou c'est beaucoup plus intéressant de les faire à deux. Oui, il y a un sacré morceau là.
Ah ouais. Oh ouais, c'est sûr que je vais gagner du temps. Ouais, puis même, c'est ce que je te disais, cette grue est beaucoup plus pratique. Parce que t'as pas les mêmes commandes que sur l'autre, tu verras que c'est plus facile. Ouais, c'est ce que je pense, hein. Oui, puis à deux, ça allait plus vite, ouais. Mais bon, je pense qu'on ira, qu'on fera les, on le fera en multi. Je pense qu'on ira sur sa map, sur la map qu'il lancera lui. Alors, je sais pas s'il fera sur l'US ou sur l'européenne, je sais pas. Je verrai, je le laisserai choisir. Et puis, et à ce moment-là, je me mettrai sur Twitch, je mettrai Twitch en route. Et puis, à mon avis, ça va être, on va rigoler, hein. Bah ouais, parce que aussi qu'on peut gagner du temps aussi. Je sais pas si on va se si on pourra se téléporter ou pas, mais serait-ce que déjà pour faire les voyages déjà ça sera plus facile. Parce que quand il faudra aller chercher le matériel, on pourra partir avec deux remorques, avec deux semis. Pour le temps que par exemple si je coule le béton ou il coule le béton, moi pour l'instant là je peux prendre un camion toupie et aller chercher une autre, parce qu'on louera deux camions toupie, on louera tout en deux, je pense. On louera tout en double et ça nous permettra de laisser un camion toupie avec le gars qui coule et puis l'autre partira remplir l'autre. Et ainsi de suite. Si on attend de faire l'aller-retour avec deux camions toupie. Parce que pendant qu'il y en a un, par exemple, là, le temps que j'installe, il peut aller chercher les autres matériaux ou chercher du béton, il peut. Voilà, on peut s'arranger. C'est la lampe étoile est pas cassée là, je comprends pas. Allez, on va...
attraper la dernière pour mettre là-bas au bout. Après, il ne restera plus beaucoup à faire. Non, il en reste 3 à faire, je pense, après celle-là. Et après, je pense qu'on va couler le béton. Il faut remettre les trucs avant, peut-être. Allez, les deux dernières. Allez, la dernière, et je vais voir ce qu'il va me demander de faire. Couler le béton.
Ah! J'ai du mal. Alors... Là, c'est. J'ai vraiment du mal avec cette machine. Là là, c'est pas pratique ça. Ah, je vais dehors.
Ah, le calvaire. C'est un calvaire, ça. Et quel abruti, j'ai bougé le camion! Ah, bah arrête de couler! Je suis tout sous la route! Ah, puis la trémie s'est refermée. Oh! Bah, elle s'ouvre plus la trémie ou quoi là? Elle est ouverte, ça y est. Allez, on est presque au bout. Le calvaire va être fini. Non! Non, mais c'est bon! Allez! Enfin! Allez, on va la plier. Hop! Tac, comme ça. Parce qu'elle me fait chier. Ah! Faut que je retrouve mes. Ah oui, mais j'en ai plus! Ah, faut que j'aille en rechercher! Bon, mais faut que j'aille que je reprenne ma SMI. Comment je préfère? Parce que là, c'est un peu le bordel. On va essayer de la garer sur le côté, elle.
Par contre, je sais pas si t'as remarqué, mais je trouve que les sauts sont super bien faits dans le jeu. Quand tu roules sur les gravillons, quand tu attrapes les poutres ou quoi que ce soit, t'as un son qui est différent à chaque fois. Quand tu attrapes du métal, t'as un bruit de métal. Quand tu attrapes du bois, t'as un bruit de bois. Je trouve que c'est super bien fait, par contre. Aïe! Ah oui, bah là, la carrosserie, elle est morte. Alors là, faut que je retourne ici. Ah ouais, bah moi aussi, hein. Franchement, c'est un truc que j'ai apprécié. Et c'est ce que je disais à mon pote là, qui est. Je lui disais, je dis, mais tu vas voir, les sauts sont super bien faits. Je trouve que ça, ils sont jolis, c'est réaliste et tout, c'est. Ils améliorent les feux rouges, c'est ce que je dis. Ils améliorent les feux rouges. Un peu l'IA pour éviter qu'elle fasse des conneries quand elle a les priorités et puis qu'elle grille les feux rouges. Parce que moi j'en ai vu qu'ils me grillaient les feux rouges. Ils grillaient les feux rouges, j'avais le feu vert, ils grillaient le feu rouge pour me passer devant. Ils font ça. Je pense que le jeu, il a de l'avenir. Parce qu'après, ils peuvent rajouter pas mal de trucs, hein. Ils peuvent rajouter des missions, ils peuvent rajouter des trucs à faire, hein. Comment ça, j'ai aucun véhicule adapté? Qu'est-ce qu'il me raconte lui? Ah, à tous les coups, c'est parce que j'ai pas mis dans le bon sens. Non, mais sans déconner. Ah, c'est peut-être ça qui m'embêtait. D'accord, ok. Ah ouais, bah moi aussi, hein, je crie. Mais fais gaffe parce que tu t'attrapes des PV à chaque fois aussi, hein. Alors donc, si t'as des grands trajets, ouais, tu te téléportes. Bon, si tu te dis tu dois griller 10 feux rouges, c'est sûr qu'en faisant un voyage instantané, tu gagnes ton argent. Mais des fois, ça vaut pas le coup. Par contre, je vais être obligé de m'arrêter un petit peu là maintenant. Je reviendrai à peu près dans 1 heure à peu près. Donc pour la suite, si bah écoute, à moins que tu aies une notification à chaque fois que je me mets à en faire. Écoute, je te dis bah, ouais, bah, c'est ce que je veux aussi. Comme ça, tu prends pas de PV. Ou alors tu passes sur le trottoir. Tu passes sur le trottoir et quand tu as de l'herbe, tu coupes à travers l'herbe, tu coupes carrément. Écoute, je te dis à plus tard. Allez, ciao ciao, à plus. Je vais sauvegarder quand même avant.